Alors, Siké derrière le ballon. Ou Campbell, ce sera Campbell. Et le bel arrêt de Persman. Ou alors Campbell à nouveau. Ce sera Siké. Hugo Siké. Il n'est pas là pour rien. Donneur de coup franc. Mais regardez ce qu'il vient de nous faire là. Ah, ça c'est la qualité des A quand ils viennent au Club Next, il n'y a rien à dire, ça fait la différence, mais quel orfèvre en la matière quand il s'agit de mettre des coups francs, bien placé, de mettre des coups francs au fond, et eh bien il est très fort Hugo Siké, bah, ça doit lui donner de la confiance, après un résultat en dents de scie avec les espoirs lors de la trêve internationale, et eh bien la même syllabe, Brent Klaas qui tente d'éliminer Hugo Siké, il y arrive à moitié, Brent Klaas il est pas mal, se centre Klaas, oh là là, quelle occasion pour le Lyrs. Il était tout seul là, Glenn Klaas. Oh, Daï, il est pas mal ce centre à Dinani. Ouais, c'était pas mal là, la tête comme ça de loin, mais fatalement de loin comme ça, c'est toujours très compliqué de cette première mi-temps. Ouais, et les coups de sifflet de Matanga Simonini sur ce score de 1-0 en faveur du Club Next. Le coup franc d'Hugo Siké qui a fait la différence. Mais globalement, un Club Next qui est pragmatique, joue bien le coup. Huilin. Lende Smet, oh Campbell tout seul, 2-0 pour le Club Next, mais que faisait-il tout seul au deuxième poteau Campbell, c'est Nick Lodahi, Marenison qui devait se... au niveau des contres, ça peut faire très très mal, Lundjensen, Yassiké à droite, Lundjensen, Campbell est tout seul à gauche, Campbell peut-être pour le doubler, et ouais, deux buts en deux minutes, un contre-assassin de Campbell qui voilà fait... du 100% efficace, c'est hallucinant ce qu'il nous fait ce gamin. Est-ce qu'il va pouvoir récidiver? Il y a urgence en tout cas pour le Lyrs, 30 minutes encore à jouer, ça laisse le temps. Un but toutes les 10 minutes et vous revenez dans le match. Et dommage pour Marenison, c'est dans les bras de Van de Neuvel. Perplexe face à la prestation des hommes de Marin Kredijk. Bah aujourd'hui c'est à peu près la même chose. Outdoor, outdoor, outdoor pour mettre le quatrième. Oh quel tacle de Victor Bohn. Mais ouais, mais il faut se réveiller un peu. C'est maintenant ou jamais pour le Lyrs. Donner première zone. Voilà, maintenant ou jamais, Brent Klaas. 1-3-1. 20 minutes à jouer. Le suspense est relancé. Ah, il suffisait de le demander, hein, franchement. Klaas qui envoie chez El Twil. Attention, il y a de l'espace. El Twil face à Huilin. El Twil la frappe dans les bras de Van de Neuvel. Ça obtient la balle à gauche. Il y a un peu d'espace. Masaki pour un centre. Non, il provoque. Rentre l'intérieur. Masaki encore. Masaki toujours. Ouais, c'est dans le rectangle. Ça me burse. Corner pour le Lyrs. Masaki. Peut-être tout changer à droite chez Daï. Oh, ça arrive chez De Peuter. Oh, ça, c'était l'opportunité pour revenir à 3-2. La sixième journée face à Beveren, 2-0. Et désormais la huitième journée, 3-1 face au Lyrs. Troisième victoire de la saison, troisième victoire à domicile. Et 12 points donc pour le Club Next qui revient à un point du Lyrs.